Salut, salut, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Comme promis, voici la vidéo en quelque sorte. Voilà. En fait, j'ai reçu beaucoup de conseils, j'ai reçu beaucoup de coups de fil pour me dire de ne pas m'emporter, de ne pas, à la limite, dévoiler certaines choses. Voilà. Sinon, il y a beaucoup de choses que j'allais dévoiler, mais je vais dire un peu quand même. Voilà. Donc, écoutez la vidéo jusqu'à la fin. Voilà. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux simplement faire un petit coup pour ces idiots-là. À la base, je vais vous dire quelque chose. C'est vrai que YouTube est un réseau social. Tout le monde a le droit et est libre de faire les vidéos comme il veut. Mais en même temps, faut pas mettre des déchets sur YouTube. Quand je parle des déchets, c'est-à-dire quand tu n'as pas de contenu dans ton esprit, je veux dire dans ta tête, tu n'as rien à dire, ne veux pas te faire voir négativement en fait. Voilà. Dans toute chose, quand il y a un problème, on essaie d'approcher les deux parties pour résoudre le problème. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vous explique simplement ce qui se passe et puis vous me donnez votre avis. Je ne donne pas raison à mon artiste, je le souligne bien, je ne donne pas raison à mon artiste, mais je suis en train de juste éclaircir. Parce que si je réagis dans cette vidéo, c'est parce qu'on a traité mon artiste de Bordeaux Likoufa, icône de la musique ivoirienne, d'escroc. Ce que je dénonce et ce que je n'accepte pas. Vous dites que de Bordeaux vous a escroqué 15 000 euros. Jusque-là, on n'a pas encore les preuves, Dieu merci. Ok, considérons que vous avez escroqué 15 000 euros. Donc, vous êtes en train de dire que Debordeaux est un escroc. Voilà. Oh, le mot escroc, selon le dictionnaire Larousse, nous dit que c'est quelqu'un qui a l'habitude de commettre de l'escroquerie. Prenons la définition du mot escroquerie. Escroquerie. D'abord, c'est un mot féminin. Voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un mot féminin. C'est une escroquerie. Donc, une escroquerie, selon encore le dictionnaire Larousse, parce que c'est le dictionnaire que j'utilise le plus, nous dit que l'escroquerie, à la base, c'est un délit. Un délit qui consiste à user du faux pour obtenir un bien quelconque, que ce soit un service ou un bien en nature, ou encore à abuser d'une fausse qualité, d'une fausse identité, ou même d'abuser d'une qualité pour arriver à ses fins. Quand je parle de ses fins, pour obtenir ce que l'on veut. Voilà la définition de ces deux mots-là. Donc, au sortir de cette définition de ces deux mots, je veux juste vous dire que quoi? Debordeaux n'est pas un escroc. Voilà. C'est parce que le mec, il est tellement gentil de cœur. Il a tellement envie de faire plaisir, avant de se faire plaisir, que vous passez toute votre vie à le traiter d'escroc. Oh, Debono n'est pas un escroc. Bon, j'ai des spectacles calés. J'ai l'habitude de voyager comme je veux, quand je veux, puisque je suis un artiste. C'est mon droit. Voilà, je ne dis pas qu'on ne refuse pas un visa à un artiste, mais logiquement, quand il n'y a rien contre lui, on ne doit pas lui refuser son visa. Parenthèse, avant de continuer, je veux simplement dire à tous les fans de Bordeaux que Debono est quelqu'un de bien. S'il y a eu refus de visa, c'est parce qu'il y a une main noire derrière qui est dessus. Mais on va la dénicher. Pour l'instant, je ne dirai pas de nom. Je continue. Donc, tout est calé. Et le spectacle de Belgique, c'est juste pour vous faire plaisir. Sinon, à la base du spectacle de Belgique n'était pas dans notre programme. Voilà. Comme on a voulu vous faire plaisir, que ça nous retombait dessus, vous prenez ça pour dire qu'on vous a escroqué. D'accord, mais on ne vous a pas escroqué. Il y a eu refus de visa. D'accord. Cela fait de nous des escrocs? Cela fait des débordeaux du coup, un escroc? Je suis désolé. Je suis désolé. Il est tout sauf un escroc. Il est tout sauf un escroc. Il se voit étonné, offusqué de se voir refuser un visa. À la limite, je vais dire, le fait qu'il ne répond pas à votre téléphone, ce n'est pas parce qu'il se fout de vous. C'est parce qu'il a honte. Il avait tellement envie de venir coûte que coûte à ce spectacle-là. C'est pourquoi il n'a pas daigné vous répondre. Sinon, ne fuis pas, il est en Côte d'Ivoire, si tout le monde sait où il habite, vous parlez d'escroquerie. Cette histoire va finir. S'il y a lieu de remboursement, vous serez remboursé. Mais j'espère que vous n'aurez plus besoin de Bordeaux encore. Hein? J'espère que vous n'aurez plus besoin de Bordeaux. Parce que vous savez, au fond de vous, qui ne vous va pas escroquer. Il y a quelqu'un derrière qui est en train de lui mettre les bâtons dans le roue. Vous êtes vraiment conscient de ça. Et comme vous participez à sa destruction, chose qui n'arrivera jamais. Vous venez vous mettre sur la toile pour raconter des bobards. Donc, tous les débiles mentaux qui sont contre des bordeaux là, c'est pour vous cette vidéo, une autre vidéo après.